Venez vers la vérité, homme. Venez vers la lumière. Père Clanqueville, vous ne me reconnaissez pas? Alphonse, l'ami d'Edmond. Edmond, votre fils. Et pour Anna vous attend depuis longtemps. Oui, vous êtes sous le signe. Sarga et Dama vous escortent. Rama, Rama, Rama. Le lumineux combat l'impur. L'Atman monte dans la clarté. Et Siva appelle. Pendant qu'il y est, vous ne pourriez pas lui dire d'appeler Edmond? Pas de hâte. Respect des cycles. Celui qui doit venir vient toujours. Edmond est en approche. Il a reçu la lumière. Quand ça? Hier. Vous la recevrez aussi. Vous connaîtrez les sept perfections. La gnose. Rama, Rama, Rama. Où est Edmond? Celui qui doit venir vient toujours. Rama, Rama, Rama. Ah ben merde. Mais Edmond, qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es devenu fou ou quoi? Edmond! Edmond! Ben faut venir voir un toubib. Allez, viens. Oh mon cher. T'as encore failli me faire marron, hein? Oh, homme de violence. Ah! Et si je te sautais sur le bide? Hein? Tu as joué les puissances des ténèbres. Pas responsable. Ah ouais? Un. Deux. Fais pas le con! Mais qu'est-ce que t'es venu chercher? L'horoscope du jour. Tiens, si ça peut t'aider. Eh ben vas-y. Je t'écoute. Tu veux que je te parle de quoi? Tonton, Hochmuth. Pourquoi pas d'Arthur? Je vois pourtant Arthur. Il vient d'avoir une visite. Une mauvaise. Il est tout pâle. Tout froid, tout mort, je sais. Ah bon? Oui, et Hochmuth? L'homme aux cheveux rouges est derrière un brouillard, très loin. Je le vois à peine. Ah! Force un peu sur le fluide. Je te charrie pas, le recours de personne n'a vu depuis 4 ans. Et t'entends? Oh! Je vois des taches de couleur, tout le prisme, la féerie, l'arc-en-ciel. Et tonton? Le tonton, je le vois. Indescriptible, trop irradiant. Tout s'embrase, grande nébuleuse, aveuglante. Des têtes, des chiffres. Washington, Molière, Guillaume Tell, on dirait des bifetons. Plein de bifetons. Oh là là! Le palais du sultan, altière demeure, verdoyant d'asile. Où ça? Neuilly. Sois un peu plus précis parce qu'on y va tout de suite. Pas possible. Je vois un obstacle. Quel genre? Les bifetons. Les revoilà. Mais cette fois-ci, ils sont en deux tas. Comme qui dirait 50-50. Et si je te disais d'aller te faire? Là, je vois plus rien. Je vois plus rien, mes anges ne viennent plus visiter. T'es seul au monde. Oh, 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 oh. Seul au monde, je vais peut-être y être plus vite que tu ne le crois. Seul? Tu l'as toujours été, patate. Même quand tu jouais les grands frères avec moi à ta manie. Même pendant les récrés, il fallait que tu me défendes, que tu me protèges. Qu'est-ce que t'as pu me faire chier? Dire que j'avais la chance de pas avoir de frangin? Tu m'as gâché la vie. J'ai eu que 50 bons pendant que t'étais au trou. T'aurais pas pu y canner? Non, c'est la communale qui recommence. Faut encore que je dénonce, que je te donne l'adresse de tonton pour que t'ailles le battre. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas!